toi, tu m'as manqué. Banana! Banana, papa! C'est le coach Francky qui a dit qu'il fallait faire ça, alors on fait ça. Et petite tisane, pour l'instant il fait beau, donc c'est plutôt pas mal quand on voit le temps qu'il faisait hier. On va se tenter ce marathon, en mode tranquille quoi. On verra bien. Du coup, départ du marathon, là on est à 1 km, donc comme prévu, 1er janvier, ça va, on a plutôt bien dormi. On s'est levé tôt, on a mangé des pâtes, c'était compliqué. Et là-bas, c'est parti. Direction Gravelines, 21 km. Et on revient après. Là, ça fait 1 km, donc plus que 41. Voilà. C'est bien. C'est parti. On est à 10 km 77, donc un peu plus du quart. Donc il nous reste 3 fois ça. Pour l'instant, ça va. On en reparle tout à l'heure. Ça sera rondant. Mais d'ailleurs. Ici c'est le nord, c'est peut-être pour ça qu'il y a un département du nord. Département du Pas de Calais. Ah ouais, on a pas dû faire ça. Nous arrivons à 1 km. Ça fait 1h46 qu'on court. Pour l'instant, vous pouvez le voir à ma façon de parler, tout va bien. Les jambes, comme d'hab, bah on les sent, mais en même temps, est-ce que c'est pas normal de sentir ses jambes quand on a fait 20 km? Prochain épisode, 30 km, à mon avis, là, ça va être un peu différent. Né. On a fait 30, donc là le cardio implicable, mais les jambes sont éclatées. Niveau énergie, je suis pas mal parce que je pense que je mange bien, je vois bien. Maintenant je vais arrêter de parler, je vais aller jusqu'au bout en supportant cette douleur quoi, de cette gauche. Bah vas-y, on va raconter des blagues. Non, je veux que vous me disiez des blagues. Il reste bientôt 5 km, sauf que là, c'est plus les pattes, la douleur, s'en fout. C'est juste que quand je lève la tête, je vois tout noir. Mais apparemment, le coach dit c'est normal, parce qu'on a plus de glycogène ou je sais pas quoi. Et donc, bah voilà, j'arrête de parler. Il fait dégueu. On a le vent de face pour les derniers kilomètres. On voit le point d'arrivée, on est vraiment pas loin, mais la pluie aussi. Comment ça arriver, mais ça va le faire. On n'a pas le droit de lui dire, mais plus que 3 km. Il reste 1,5 km. Il pleut plus, donc j'ai remis la caméra en place. Ça a l'air d'aller mieux là qu'il y a 5 minutes. Il fait trop froid dans ce pays. Voilà, on y est presque. La caméra parce qu'elle est pas waterproof, mais on s'est pris une drache monumentale. C'était horrible, mais bon, maintenant ça va. La pluie est passée, on a plus trop le vent de face. On arrive en 1,02 km. De mon côté, ça va. J'ai juste mal aux fesses, plutôt pas mal. J'ai mes doigts de pied qui n'existent plus et mes doigts qui commencent un peu à être engourdis. J'ai un peu froid, c'est surtout le froid en vrai qui est compliqué là. Du coup, on est d'accord que c'est 42 et 200 mètres. Ouais, là t'as combien de temps ? 41, 44. Ouais. J'ai entendu, hein ? Bah ! Je suppose que ça voulait dire boire. En fait, c'est easy un marathon, je sais pas pourquoi. Pourquoi on en fait tout un froid ? Je suis à 41, 53, 500 mètres. En vrai, là, tu fais l'allée des pommiers, hein. T'es en haut de l'allée des pommiers et tu descends. Allez, va devant. Fais le lièvre.
fait le lièvre. Y'a personne. Pas de suspect sur le vélo. En plus, on a du poulet haricots verts qui nous attend à l'arrivée. Si ça, c'est pas la vie. Quasiment plus de batterie ici. Il reste 100 mètres. Mais pas du tout. Mais bon. C'est à combien? Oh la vache. Ah, oh, c'est hardcore. C'est tellement dur. Oh la vache. Rien à voir avec 30 km. Il n'y a plus rien. J'ai plus, je sais plus. Ah, j'ai tenu, franchement. Et les 12 derniers, c'est que du mental. On fait demi-tour ? Allez, suivante. Next. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Et moi aussi je l'ai. Mais c'est un film. Oui. C'est Shrek. Dieu. Oui. Elle est complètement différente avec ce mood. Elle est trop belle. There's a cold surrender to the rush of day. Le retour. La pizza. Mais bouge tes fesses. Mais c'est bon. T'as tenu, il n'y aura pas de boisson. C'est dégueulasse de faire ça. Coucou bébé. On entend bloup bloup bloup. Oh, ouh, c'est qui? Un chimouquet. Chimoubonnière. Oh, bébé. Toi, tu m'as manqué. Banana. Banana, baba. Nous sommes de retour. Qu'est-ce que t'as? Elle est pas convaincue de mon plan. Mais non, c'est artistique. Hein. Voilà, plan artistique. Tintin. Nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour. Tu savais que j'allais dire ça. Nous sommes de retour à Fouesnant. Et demain, on va s'y remettre, sérieusement. On n'a même pas fait de retour sur le marathon. Donc ça s'est très bien passé, en globalité. Et après, c'était beaucoup plus dur que ce que je m'étais mis en tête. Quand j'avais fait un 29 km et un 26 km, c'était hyper simple. Donc je m'étais dit, bah 13 km de plus, ça va pas être l'enfer. Et en fait, les 12 derniers kilomètres, c'était juste que au mental, parce que j'étais en hypoglycémie constante. Je voulais le faire en moins de 4 heures, je l'ai fait en 4 heures 3, il me semble, c'est ça. Mais sauf qu'à la fin, on a eu 3 km. Enfin, vous l'avez vu, de toute façon, où on est face au vent. Et sans ça, je pense que je le faisais comme j'avais en tête, genre en 3h58 ou 3h59. Mais là, ouais, donc face au vent avec la pluie, j'en pouvais plus. Et on est content. Quelque chose d'autre à ajouter ? Non. Merci à mon frangin qui a fait le soutien pendant toute la course. Merci à Lorraine aussi qui a fait le soutien, qui a fait le ravitaillement, qui a subi aussi ma mauvaise humeur pendant les 12 derniers. Mais en même temps, je l'avais prévenu, elle m'avait dit c'est bon, je t'en voudrais pas. Les 12 derniers kilomètres, je faisais même plus de phrases. Au départ, c'était tu peux me passer une petite barre céréales, mon chat ? Et les 12 derniers kilomètres, il n'y avait plus rien de tout ça. C'était juste boire. Il y a tout le temps, c'était un waouh. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. And can you feel the love tonight? It's enough. It's enough. For this restless wanderer. And it fit me. Oh, il était beau! Oh, il était beau! Je me suis dit merde! Oh, il y a un truc qui va pas! Ça colle pas mal de faire tu sais toi et moi j'aimerais faire la danse avec les autres plutôt que tu sais
Je t'aime, tu sais que tu pourrais l'aider, tu vois. C'est mieux 5. Toi et moi, du coup, 3. Ouais. 3, 10. J'aimerais que tu me prennes dans tes bras. J'aimerais que tu me prennes dans tes bras. Toi, t'es la seule que j'aime. Ça, c'est bien. Genre, parfait, tes paroles. 5, 10, 3, 10, 2, 10, 5. Fluidité, texte fluidité, et tout, ouais. On est pas mal. C'est cool. Et les paroles sont parfaites, hein. J'aimerais que tu me prennes dans tes bras une dernière fois pour ça. On sait pas quoi, on laisse le mystère. Pour ça. Non, c'est réglé, toi. Voilà. On sera le titre du truc. La danse des oies. À qui elle est? Loulou, c'est toi l'innocent. À moi. À qui elle est? À moi. Non. T'es pas censé regarder? À moi. Mais non. Si t'échanges avec la première. Non, bah non. Pourquoi non? Bah je peux changer, c'était plaisir. J'hésite maintenant. Mais j'en sais rien, pour une fois je suis pas tombée sur la faible, donc j'en sais rien. Agurval. Dis un chiffre entre 1 et 10. Y'a des gens qui sont morts comme ça. Un chiffre entre 4, 6. Ok. Bah si on part sur les trucs qui peuvent être chiants, genre si tu te balades dans la rue avec moi, par exemple, tu sais que tu vas t'arrêter à la moindre boutique de frein, tu vois. Marcher dans la rue, m'arrêter là où je n'ai pas envie, tu vois. Ouais. On peut me péter dedans. C'est pas mal pour Lorraine, la reine. Oui. Ah, ça, la part crétin. J'ai essayé, mais j'ai pas encore bien les. Surtout les tous ces trucs-là. Un, deux. Je fais une intro. Cet après-midi, on a fait une super session avec Gurvan Nantel, un ami à nous, qui est auteur aussi, qui a fait plein de morceaux trop cool, dont un morceau qui s'appelle Des Roses. C'est, je sais qui le groupe déjà. Lunis. Je sais plus. Aucun respect. Donc il a écrit notamment Des Roses, nous, moi. Il a fait d'autres morceaux trop cool pour Valentina, Amir. Et on fait régulièrement des sessions d'écriture avec lui où on fait des morceaux. Et là, donc, on est en train de composer un morceau qu'on va proposer à Lucas Devaux. Et donc on a fait un truc, on est plutôt contents. Hein. Et là, on est en train d'enregistrer un mémo un peu propre. Marcher dans la rue, m'arrêter là où je n'ai pas envie, parce que tu as décidé que c'est moi qui te suis. Je veux retrouver ton pyjama sous le lit, parce que tu bouges la nuit. J'ai enfin fini de faire tout les calages, les édits de mes voix de Gravity. Du coup, je vais mettre les effets et vous faire écouter tout ça. Voilà, on vérifie le compresseur. Ok, et c'est parti. C'est la partie la moins passionnante. We'll turn this midnight to afternoons. Et on va écouter. Switch plans for a minute. Little late night visit. We'll turn this midnight to afternoons. Cette merdouille, il y a des merdouilles. Bon, ce que je vais faire du coup, c'est que je vais écouter toutes les voix ensemble en solo pour être sûr qu'il n'y ait pas de bug. Un peu relou. Here we are. Don't take flight. Don't take flight. Hold me down, be my gravity. Donc, il y a des petites respis qui arrachent la tronche. Bon, on va les baisser, c'est tout. Be my gravity. Be my gravity. Je viens de me rendre compte que j'avais oublié de faire les refrains
en grave. Et ceux qui suivent ces vlogs savent à quel point je déteste réenregistrer dans un projet que je pensais avoir terminé. Mais du coup, bah on y retourne. Hein. On va faire comme ça. Je vais le faire deux fois, gauche et droite. Le refrain en grave. Parce que je trouvais qu'il manquait quelque chose et j'ai réécouté la démo et en effet, bah il y avait les graves normalement. Et bah c'est reparti. Hold me down. Hold me down. Hold me down, be my gravity. Hold me tight, be my gravity. Là, je pense qu'on est bon. J'ai pas fait trop de pistes parce que c'est quelque chose qui va pas être mis en avant. C'est vraiment pour ajouter du corps un peu en bas parce que sinon, je suis vraiment perchée sur le refrain. C'est quand même mieux avec les graves. J'ai mon petit cœur qui vient manger avec nous de la lico et des saucisses. Oh oui, c'est intéressant ça. Oh oui. Allez, viens. Notre prise de Je veux avec Bésomorphe sort dans une semaine. Et du coup, pour la promo, on s'était dit que ça pourrait être cool de faire un ACAP, comme on a l'habitude de faire sur Nitona. Surtout que il me semble qu'on n'est pas un seul ACAP en français. Du coup, ça sera le premier et on va enregistrer ça pour le mettre sur les réseaux ce soir. Donnez-moi une suite au rythme. J'aime pas mes cheveux. Donnez-moi une suite au rythme. Je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de bonne manière. C'est trop beau. Je n'en veux pas. Donne-moi une limousine. Alors c'est bien, mais j'avais une manche retroussée tout du long. C'est juste horrible. Je vais la refaire du coup. Au pire, je garderai celle-là si j'ai pas mieux. Celle-là était bien, en vrai. Juste une manche qui est relou, mais bon, est-ce que c'est pas la vie d'avoir une manche qui est relou? C'est comme ça, hein. Donne-moi une suite au rythme, je n'en veux pas. On regarde. Ok, je vais le garder, mais je crois que je préférais le premier. On va rester sur la manche retroussée. Si vous voyez la vidéo sur Nitona, vous ne verrez que ça, du coup. Hop, mais je pense qu'elle était bien. On va garder la première. Qu'est-ce que tu as fait de beau ? J'ai envoyé plein de messages, de mails pour lancer des gens sur des morceaux qui sont finis et puis à des labels qui n'avaient pas répondu, machin, comme ça le début d'année, c'était les fêtes. Et j'ai travaillé sur Satisfaction, la version hyper techno qu'on est en train de faire. Du coup, il y a Loudcult qui est intéressé, donc le label avec qui on avait sorti la première version. Donc ils veulent qu'on pousse un peu la prod pour la rendre moins linéaire. Du coup, sur le drop, à la base, il n'y avait rien, je crois. C'était comme ça. Satisfaction. Et du coup, moi, j'ai pris les voix. En gros, j'ai pris un Satisfaction comme ça. Satisfaction. J'ai mis un gros sidechain. Sidechain, c'est ce qui permet de donner l'effet un peu rebondissant comme ça pour ceux qui connaissent pas. En gros, ça coupe le son sur tous les kicks là. C'est ça que j'ai fait. J'ai mis un effet distorsion. Satisfaction. Un peu genre distorsion de hangar. Et après, là, en fait, c'était comme ça à la base. Et moi, j'ai tout coupé et tout pour faire la petite mélodie que j'avais dans ma tête. Donc dans ma tête, je me disais, ça serait cool que ça fasse. Et j'ai coupé tout pour que ça rende un peu comme dans ma tête. Voilà. C'est bien. J'aime bien. C'est un banger. Another banger. Another banger.